C'est bon. Bon, les garçons, je vais retirer mon masque. Hein, parce que, moi, vous allez comprendre ce que je dis. Parce que même moi, je ne me comprends pas. Allez, on fait suite à la préparation. Ok, donc aujourd'hui, le match, c'est pas pour vous faire faire un match. C'est pour essayer de voir ce que l'on a fait cette semaine. Ceux qui étaient présents, bien évidemment, au stage. D'accord. C'est pour ça que la compo, elle est sur 10-11e. La même que la confrontation qu'on a fait contre plein, le bon plein de temps, voilà, comme ça, et avec bien évidemment un peu plus de renseignements. Ok, donc premier mot, je commence un peu à l'envers, les remplaçants. Quand on vous dit on regarde le match, souvent vous parlez de tout sur le banc de touche, sauf qu'on regarde le match. Il est primordial de regarder le match parce qu'il va falloir rentrer à des places. On vous expliquera plus ou moins, mais ça reste une explication sur tableau. Donc, vous n'avez pas fait le travail. Si vous ne comprenez pas, si vous ne jugez pas ce qu'on vous dit de l'explication, ça va être compliqué. Ça fait que vous allez devoir rentrer et ressortir de la compo. Voilà, on ressort, parce que sinon, on déséquilibre toute l'équipe. Donc, soyez attentifs. On vous parlera au fur et à mesure, hein. On ne va pas rester comme ça. Et à un moment donné, on lui dit, tiens, tu rentres, après, tu fasses ça. T'as vu ce qu'il a fait lui, il a fait chose pareil. Non, c'est pas comme ça. Mais on vous expliquait, il faut regarder. Pour avoir des repères. D'accord ? Bon. On travaillera en 4-4-2. D'accord ? Axel, dans les cages. À droite, Fifi. À gauche, Luc. Dans l'axe, on va commencer avec Lucien et Vincent. D'accord ? Bon, récupérateur, Raphaël. À ses côtés, il y aura Arthur et Ayoub. Ok ? Arthur à droite, Ayoub à gauche. D'accord ? Après, si vous voulez échanger parce que vous êtes plus à l'aise, mais je pense que comme ça, c'est bien. Maël, on est défendu. D'accord, numéro 10, hein, le joueur référence qu'il va falloir chercher, d'accord, lui, il faut qu'il soit prêt toujours dans les intervalles et tout, c'est lui le moteur de l'équipe, il va aller vers l'avant. Et devant, on va commencer Stan Yanis, deux attaquants, ok, donc la marque, on va travailler des automatismes, mais il va falloir déjà nous montrer ce que vous avez appris précédemment, ok, d'accord, les courses croisées, etc., etc. En remplaçant, on a Achat, donc je vais les garçons, je suis obligé de marquer à certains de vous appeler par votre nom de famille. Pourquoi? Parce que il y a deux Matisse. Les deux Matisse, il n'y a que eux, hein. Il n'y a que eux qui sont le prénom. D'accord? Donc Capelone ou Achat. D'accord? Donc Achat, remplaçant, Virgile, Laurent, Ludo et justement Matisse Capelone. Blessé, Mathéo et Mama. D'accord ? Absent, Enzo Valoine. D'accord ? Le groupe, il est là. Le groupe, il est là. Et, on a encore une place pour le recrutement. Mais ça, vous n'êtes pas concerné. Ok ? Alors, on va un peu vous donner des consignes. D'accord ? Je les marque pas les oublier. Ok ? Certainement encore. Je donne l'intervalle. Ok ? Tout ce que j'ai marqué à la fin cette semaine. Hein. Je donne l'intervalle. Je donne l'espace libre. D'accord ? Comment on fait dans l'espace libre? On prépare, donc on conserve, hein. Vous voyez, à conserver, hein. Et décrocher, on conserve, boum, appel de Fifi, on conserve derrière ici, appel de Fifi, il faut le chercher dans l'espace libre, parce qu'il aura l'espace libre. Pareil pour lui. Donc ça veut dire que les deux arrières d'elle, sont à côté, pour se projeter. N'attendez pas qu'on vous le dise. Parce que ça ne veut pas dire que l'on vous la donne. Mais je fais l'appel. Vous savez que. On est bien, on lève la tête, on va partir, là il faut la mettre. D'accord, c'est pas balancer ça, c'est mettre les ballons dans la course. D'accord. Et pareil pour Arthur Ayoub. On sort de la conservation, on a la volée du ballon, je fais l'appel. Et les attaquants, bien évidemment. Un qui décroche, un qui va dans l'espace libre. Écoutez bien toutes les consignes, les gars, à tout moment vous pouvez changer de place. Bien sûr. Hein. Stanley décroche, Yannis sur dans l'axe, et vice versa. Hein, on l'a pas fait vers la fin, Yannis. Campbell le faisait très bien, il rentrait à l'axe, Stan tu le faisais pas beaucoup. Donc Campbell est désolé, il avait décroché, toi tu restais sur le côté droit. Pensez tous les deux à rester assez proches. Au match précédent, Mathis, il venait là, quand tu étais de l'autre côté au deuxième poteau. D'accord ? Faut vraiment que tu penses à faire ta cour et à venir manger au premier poteau ou au milieu. D'accord ? Deuxième poteau, ça doit être le défenseur droit ou un milieu. Hein ? Ok, donc c'est les consignes collectives, ok, donc une, deux, jeu d'intervalle, jeu dans l'espace libre, conserver, décrocher, d'accord. Je vois, je donne, je demande.
On peut le traduire comment ça? Je vois, je donne, je donne, je, bravo, triangle. D'accord, je vois. Si je vois, je donne. Sinon, s'il n'y a pas un devant, il n'y a rien derrière. Il est là. D'accord? Ok? Et je demande. Je sollicite une 2. Le ballon arrive très bien, il n'arrive pas, je me remplace. Ok? Consiste, et donc, resserrer les lignes. À la paire de balles, resserrer les lignes. Chacun à sa place. Et après, on voit où est le ballon, on voit pour les positionner. Consiste individuel. Donc, défenseur, attaquer les ballons, jouer haut, coulisser. D'accord? Parce que si vous dégonnez le ballon, parce que si c'est vrai pour avoir le ballon, il faut aller chercher là-haut. D'accord. Donc vous poussez les milieux de terrain. Oui, Alice. J'ai une question, je peux y aller ou pas? J'ai une question après. Oui, là, vas-y. Après, montre. En fait, si au 6 mètres, par exemple, il y a un joueur qui est là, et que Stan il va serrer là-bas, est-ce que moi je vais serrer lui ou c'est le mec qui vient serrer lui? Non, non, c'est toi qui va serrer. Du coup, les joueurs qui sont là, ils sont libres. De toute façon, vous savez que les deux arrières d'aile, défensifs, c'est eux, il ne faut pas aller chercher dans un premier temps. C'est, on les laisse tout seuls, d'accord? Ok. Après, donc, aussi individuel, donc attaquer les ballons l'un pour la défense. Les milieux, décrocher, demander, organiser. Donc, tout le monde techniquement, c'est jouer au ballon, d'accord? Être en mouvement, parler pour que le joueur, s'il n'a pas pris l'information, qu'il puisse se retourner. Je prends le cas de Maël qui a dit à Raphaël, tourne-toi. Parce que Maël, il voyait qu'il y avait personne qui ne le voyait plus. Et on ne sait pas, si on n'a pas pris l'information, on ne sait pas que si. Je ne vais pas me retourner, hein, perte de balle ici. Non au but, hein. Non au but. D'accord. Et donc, ça c'est pour le travail offensif, donc décrocher, demander, organiser. Pour le travail défensif, conserver, resserrer, coulisser. Pareil, hein. Voilà, toujours ce triangle. Ouais, on travaille, d'accord, ok, là, il faut travailler, hein. Le ballon il est là, Arthur, Raphaël se déplace, à Luc, tu prends la passe à Raph, et dis-le à ça, le ballon est là, Luc il y va, Raph il coulisse, Arthur tu rentres là, n'attendez pas qu'on vous le dise, n'attendez pas qu'on vous le dise, ok, les attaquants, donc il faut finir les actions, ok, finir les actions déjà, pas une frappe, pas une occasion, ok, le soutien, et décrocher, d'accord, soutien. Vous voyez Maël qui rentre, on l'a pas fait la dernière fois. Maël, il fait la passe à Stan et il faut lui redonner. D'accord? Je ne sais plus si c'est Maël qui ne s'est pas projeté ou si Stan l'a fait crocher, je ne sais plus. D'accord? On a travaillé. Je m'appuie. Donc je suis au soutien, je m'appuie, je la remets. Donc il frappe, il enchaîne la contrebasse, je ne sais pas ce qu'il fait. Devant, vous savez ce qu'il va se faire. Et défensivement, il faut faire pressing sur le côté ballon. Donc, qui dit pressing côté ballon? Donc Stan va presser. Donc vous avez du boulot les attaquants, c'est vous qui déclenchez, c'est vous qui déclenchez le pressing. Si vous allez dans cette zone-là, je ne vous demande pas d'aller bloquer, sauf si vous m'avez positionné, bien évidemment. Mais d'aller dans la zone, là, vous allez dans la zone des arrières-têtes. D'accord. Admettons qu'ils sortent pas au pied, d'abord vous prenez l'axe, vous mettez entre deux. Un qui prend l'arrière-droit et axe droit, l'autre qui prend l'arrière-gauche et axe gauche. Vous mettez dans l'axe. On va les obliger à relancer. S'ils partent par le pied, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou ils partent par les actions, généralement ils partent. Ils commencent par les arrières. Et bien là on y va. Mais vous êtes là à ce moment-là. Mais quand on est vont, ça c'est intéressant, c'est important pour Ayoub et Arthur, d'accord? C'est parce que c'est à vous de répondre en fait. Stan il se déplace, et bien Arthur, tu sais que ben, on va faire pressing sur l'arrière gauche. Pareil de l'autre côté, Yannis il y va, Luc et Ayoub, tu sais que tu dois prendre l'arrière 3. Et là, Ayoub. Attendez. D'accord? Ok. Bien évidemment, on va récupérer. Après, vous jouez au ballon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous aimez bien, évidemment. Ouais. Du coup, c'est Stan qui doit faire passer ici. Oui. Moi, juste, je reste en place. Voilà. Tu sers pour comprendre le ballon. En fait, le fait que tu resserres là, mais il va venir couper là. Voilà. Ça va créer un espace. Rab va venir là. Donc, Caillou va prendre un. Voilà, on a l'espace. Va les couper là. Et même si. Ils sont en supériorité numérique, Fifi va monter, automatiquement Lucien va venir descendre. Si du coup il change d'aile, on fait pareil, mais en plus. S'il change d'aile, il faut tout coulisser, c'est-à-dire que Lucien se place, Fifi redescend, Raph qui était là va faire sa courbe, va venir manger là, Ayoub va venir sur l'axe, Maël, hop, lui va venir axe, lui vient manger, Luc qui monte, Vincent il décroche, et automatiquement Arthur il prend le soutien. Donc ça va être tout un coulissage qui va devoir se faire de gauche à droite. Oui, là, ça va passer.
pour les corners. Alors, j'allais en venir. Vous les avez. Oui, mais justement, est-ce que ils vont. Oui, oui, oui. Mais vous les allez travailler. Oui, mais est-ce que tous les corners ils vont faire. On vous explique. Bien sûr. Moi, c'est le bras. Bien sûr. Je suis pas de Norman. Moi, j'ai fini. Rapidement. Du coup, les ceux qui sont au stage, c'est pour ça, je vous explique. Les gars, rapidement. Au niveau des corners, ce qu'on disait. Quand Mathis Cantelon, il ne lève pas le bras. Ça va deuxième poteau vers Vincent. C'est-à-dire que si là il y a la cage, il tire là, ça vient dans la zone qui est là vers le deuxième poteau. Si Mathis il lève un bras, ça vient lober et ça va choper Maël qui est au deuxième. S'il lève les deux bras, Yanis, tu viens, tu décroches, frappe instantané. D'accord ? Attends, je pars, j'explique après on pose. D'accord ? Tout est bon ? Si Maël il lève pas les bras, il va lâcher. Très tendu, premier poteau, souvent c'est Stan qui va, tu coupes. D'accord ? S'il lève un bras, il vient lober vers le deuxième. Et c'est Vincent, tu viens, tu mets la tête et tu les manges. S'il lève les deux bras, il y a un joueur, on s'arrange. Là, ce sera Youb. Mais ça peut être Arthur, ça peut être n'importe qui, on s'arrange. Il lève les deux bras, il décroche vers Maël. Une, deux. À ce moment-là, Stan, Vincent, les grands de la tête, la gifle, vous venez couper au deuxième. Soit il vous la centre, soit il frappe instantané. Au niveau des coups de pied arrêtés, coups francs, Arthur après. Au niveau coups de pied arrêtés, coups francs. Au moment qu'il y a un coup franc, on me check, je vous donne le nom. Ne parlez pas, ne venez pas me sourire, je vous donne un nom. D'accord ? C'est quoi les corners ? Les corners. Un côté, Maël, de l'autre côté, Mathis. Là, il n'y a pas Mathis, donc au moment, ce sera Virgile. Je passe mon alors, là, il n'y a pas Virgile. Je vous expliquerai. Quand le joueur qui doit faire la stratégie n'est pas là, 5. On l'avait vers le point de pénalty, tendu, et on s'arrête là. Quand il y a des joueurs qui ont... C'est côté opposé, mais au sortant. Au pire, on fait ça. Tu tires et tu la mets sortant. On n'a pas essayé ça. On essayera. Tu tires et tu la mets sortant. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu de très, très belles choses pendant le match. On a vu de très, très belles choses hors des matchs. On a vu une vraie cohésion d'équipe. Et pour la première fois depuis que je vois ce groupe, on a vu une équipe. Chose que je ne pensais pas les deux premiers jours quand j'ai commencé à voir un petit peu de ce qui se passait. Ce que je veux dire à partir de là, c'est qu'il y a des comportements qui ont changé. Il y a des avis qui ont changé. Il y a des gens qui ont gagné des points, d'autres qui ont même perdu, rappelez-vous. À partir de là, vous allez rentrer sur le terrain contre une équipe que vous avez battue l'année dernière. Contre une équipe qui peut vous manger cette année. Faites en sorte à ce que ça n'arrive pas. Ce que je veux dire, c'est que jouez votre jeu. Si vous arrivez à jouer votre jeu correctement, automatiquement, nous allons gagner le match. Parce que je le dis haut et fort, vous êtes meilleurs qu'eux. Et ça, c'est une certitude, vous êtes tous dans cette salle meilleurs qu'eux. Par contre, moi, je le sais, lui, il le sait, et j'en suis sûr que tu le sais. 100%. Mais eux ne le savent pas. À vous de le prouver. Je vous ai raconté une chose, hein, c'est le premier match, je le répète pour ceux qui n'est pas là, tous vos coachs ont eu raison de toute votre vie pour dire « Le football, ça joue avec la tête et les pieds ». Ils ont eu raison, mais ils ne se sont pas foulés. Moi, pour moi, je me suis peut-être trompé. Moi, pour moi, ça joue avec les couilles et le cœur. Parce que toi, tu rentres sur un terrain, si tu mets une paire de couilles sur le terrain, tu as plus de chances de gagner. Plus de chances. Ça ne se joue pas, ça se joue sur la rigueur, sur le placement. Ça se joue sur les efforts défensifs. Tu étais claqué, tu étais fatigué, à deux doigts de te blesser, tu m'as tapé un slip comme jamais je t'ai vu taper un slip. Ça veut dire que tu en as envie. Ça veut dire que tu es capable de le faire. Ça veut dire qu'on peut te faire confiance et que tu vas faire le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il a sauté par-dessus un mec. Quoi. Non mais pour vous dire, on en rigole, mais pour vous dire, ça veut dire que le mec, il est prêt. Ça veut dire que dans sa tête, c'est un guerrier. Sauf qu'il m'en faut pas un, il m'en faut 11 sur le terrain, il faut tout le reste sur le banc dans le même état. Et mettez du cœur à ce que vous faites. Si vous ne faites pas que pour vous, faites-le pour votre groupe. Faites-le pour vos potes. Faites-le un minimum pour nous. Et vous allez voir que vous allez pouvoir faire de belles choses. Prenez les choses à cœur. Sur chaque ballon, sur chaque placement, sur chaque duel, prenez les choses à cœur, c'est important. Parce que de toute façon, vous pouvez être le meilleur d'équipe. Ceux qui ne mettent pas ça, ils ne servent à rien. À rien du tout. Et on a pu voir que là-bas, on est tous connectés ça. Tous. On va s'échauffer. Ceux qui ne connaissent pas l'échauffement, vous suivez. Allez.
chaque demi-tour, les gars. Au plus, au demi-tour. Non, juste. Allez. Il y va, ça va venir, ça va venir. On est content de bien le faire. On est content de bien le faire. Là, on n'est pas. Là, on n'est pas. Thank you.
Hein? J'ai rien. Je sais pas comment on peut le faire tenir. Ouais, mais... Ça tient ? Ça tient. Il est requin le truc. T'inquiète, t'inquiète là. Mais tu me dis, hein, je voulais prendre. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Ouais, je te dis, m'allume pas non plus sur le pied. Bien joué, Mathis. Et à toi, Yves. Yves, et à toi.
Attends.